Jeune dragonnée du crépuscule avec une équipe de type draconien, nous savons déjà qu'il allait. De stop, stop, j'ai fail. J'ai fail, madame la juge. J'ai fail, je me fiche. Voilà, je me fiche de savoir que ça se passe bien. Ça se passe pas comme je veux. Ça se passe pas comme je veux. Donc, comme je disais dans la première vidéo, en fait, ce qui est étrange au niveau du game design, c'est que il donne l'XP, il réagit vraiment comme un maître de mascotte, et en fait, le maître de mascotte, ben, c'est lui, c'est le jeune dragonnet à sauver. Il est là, il est au milieu de ses mascottes. Au niveau du game design, lui, c'est un maître de mascotte. C'est le maître des mascottes dont on l'envoie se débarrasser, en fait. C'est particulier comme maître de mascotte. Enfin, bon. Vous connaissez la puissance des dragons face aux aériens. Bon, bah, c'est plus à prouver. Pardon, mais que s'est-il passé? D'accord. Bon, d'accord, j'ai dû le vexer. Je sais pas ce qui s'est passé là. Non, non, mais ça n'a pas de sens. Hop. Donc forcément aussi c'est très rapide. Bon là, il nous achève. D'une manière ou d'une autre. Anomalie temporelle. Donnons-lui un petit coup. Ah bon, parfait. Alors là, on peut faire avantage précoce. Voilà, tour 8. On le fait au tour 8. C'est pas mal. Et voilà. Alors, pardon. Le montage de la team. Alors, vous connaissez déjà la puissance du jeune dragonnet du Nexus face à une mascotte de type aérienne. Donc là, comme on l'a vu au premier tour, il fait cyclone. Donc il ne faut pas commencer son éruption de mana au premier tour, mais au deuxième. Ensuite, déjà, ça démonte bien son rat. Et puis, on finit avec anomalie temporelle et souffle du nouveau-né infini, mais surtout avantage précoce. Rappelons le script de l'avantage précoce, qui n'est pas comme sur le tout type. C'est on fait un tick et à la fin du, enfin, après le premier tick, si on a moins de vie et toujours moins de vie que le type en face, eh bien, on fait un deuxième tick. C'est comme ça. En fait, vous prenez juste un dragon infini et puis n'importe quoi, et toi, toi, et puis c'est bon, hein, c'est fini. Franchement, c'est pas dur.